Bonjour à tous et à toutes. Cette fois-ci, cette vidéo, c'est pour vous montrer ce que j'ai acheté, commandé puis reçu, des témoins de pression de gonflage pour les pneumatiques, pour voitures, valves de voiture principalement. Ça peut aller sur des vélos, pourquoi pas, moto. Alors ces valves-là sont censées remplacer les bouchons de protection de valve. C'est-à-dire qu'il faut dévisser le bouchon, hein, quand on fait la pression des pneus, on retire le bouchon et on met ça à la place. Alors je pensais que ce système était léger, mais il s'avère que ça fait un certain poids. Et je me méfie parce que l'équilibrage d'un pneu, c'est au gramme près. Et là, ça fait. Je vais le peser, je vais vous le dire. Hein. Ah, c'est une balance. Je sais pas si on voit le chiffre. Normalement, oui. J'en mets un. Hop. Alors, ça dit combien? Eh bien, ça fait 6 grammes. Ça fait 6 grammes par valve. Je vais faire l'essai, hein, bien sûr. Alors, le but, d'après ce que j'ai compris, c'est de gonfler le pneu à la pression recommandé, bah pour moi c'est 2,8 kg, 2 bar 8, visser ses bouchons et normalement le témoin va passer au vert. Vous voyez le petit témoin là? Ça fait une bague verte, une bague rouge, une bague jaune. Le vert c'est bon. Quand ça passe au jaune, c'est pas bon. Il commence à y avoir une perte de pression et c'est encore dans les tolérances. Et quand ça passe au rouge, bah alors là c'est pas bon du tout, il faut. Faut vérifier la pression d'urgence. En mettant 2,8 kg, puisque Renault recommande 2,5 kg, 2,8 kg, je préfère, moi c'est une meilleure tenue de route, meilleur confort, j'en ai déjà parlé. Si je passe à 2,5 kg, j'aurai une marge moins importante. En mettant 2,8 kg, on a une marge plus importante. C'est-à-dire que même si ça arrive dans le rouge, je sais que j'aurai une pression recommandable. Mais ça n'indiquera pas si le pneu est crevé. Hein. Voilà. De toute façon, on le sent à la conduite. Hein. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à les monter, faire la pression des pneus et à les monter. Alors voilà ce que ça donne une fois monté. Ici, pression 2,8 kg, fait au compresseur. Ensuite, retirer la valve noire et mettre ce système-là à la place. Automatiquement, le bouchon s'est mis en vert complètement. Ça serre assez dur quand même. Le joint qui est à l'intérieur, c'est quand même efficace. À voir dans le temps, puis à voir sur la route si ça fait quelque chose de plus au niveau équilibrage. À suivre. Donc, il faut savoir que depuis le mois d'octobre 2014, la pression de pneu est obligatoire, hein, sur le tableau de bord. Donc, en dessous de 2014, octobre. Conseille de mettre ces bouchons-là, peut-être. Hein. J'avais 2 kilos au pneu arrière. Donc petit à petit, ça finit par perdre. Voilà, à bientôt et merci.